Ok, il est porte 6. Il y a le tableau, il y a le tableau. Mais what? Je comprends pas. Salut à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Five Nights at Floppa. Un petit jeu perdu sur Steam, un jeu d'horreur un peu inspiré de Five Nights at Freddy's. Let's go, c'est parti. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Let's go. Oh my god. Ok, ok. Alors là, on est typiquement sur un jeu russe. Et c'est quoi qu'on doit regarder pour... Donc, normalement, il y a un monstre qui doit nous atteindre ici. Si... Ah ouais, donc s'il passe la porte 1 qui est ici, ça commence à devenir chaud. Ça a commencé, les gars. Il est là, il est porte 6. Il est où? Ça, c'est juste un cadre, c'est juste un cadre. Il faut juste qu'il passe pas là, en fait. Porte 6, donc il faut faire attention à la porte 6. Parce qu'on a un genre de cadre qui ressemble à... au monstre. Ah, je sais pas si ça a commencé là, parce que là je vois les secondes qui défilent. Faut savoir que le jeu est... Je crois qu'il est payant, il coûte 70 centimes pour ceux qui seraient intéressés par le jeu. My god, my god. Ah, il y a une chaise qui est tombée, porte 4. Faut bien regarder, hein. Voilà, c'est bon, c'est bon. Il y avait un son d'arrière-plan, mais de toute façon c'est en russe, je crois, donc... J'ai l'impression que là, porte 4, il y a un truc qui est tombé, donc il est vers là, non? Faut bien regarder, les gars. Et je peux pas sauter. Il y a des chats, ok, il y a des chats qui apparaissent sur les cadres. Il faut faire quoi? Il faut appuyer sur les... Non, faut rien faire. Je sais pas trop ce qu'il faut faire. Ok. Porte 5, on a rien. Ok, c'est les mêmes portes. Vous avez vu, c'est les mêmes portes. Ils ont utilisé la même salle, ça ressemble trop. Il y a un petit serval derrière. Je crois que c'est les servals, hein. Ne dis pas de conneries. Ok, on continue. Moi, je continue à look les cams. Je vois pas grand-chose pour l'instant sur les cams. Franchement, il y a rien. Hein. Je sais pas si on peut tourner. Non, on peut pas tourner. Il y a rien qui a pop. Hein. Donc 6 heures normalement, ça veut dire que c'est la nuit là. Non, c'est la première nuit qu'on aura passée. La première nuit, elle passe. Il n'y a rien du tout, en fait. J'ai l'impression que le jeu est vide. On n'a aucun monstre qui a pop. La 8, c'est ma salle. What? Comment ça, ma... La 8, c'est ma salle. C'est pas logique. Non, c'est pas cette salle. Night completed. Ok, on a fait la première nuit. Let's go, next. Start night 2. On part direct. Ok, les 4 sont déjà de base, hein. Ils sont déjà de base. Oh, il y a le chat. Il est 7, il est 7. Est-ce qu'il y en a plusieurs de chats? Oh my god. Il est là, il est là. Est-ce qu'il y a moyen de le tuer si jamais... Galère, porte 6, porte 6. Et il y a que lui, hein. Il est porte 6 pour l'instant. What? C'est tellement mal fait. My god. Il bouge pas pour l'instant. Il a quitté cette truc, il est allé là. Pour l'instant, il revient, non? Il est parti où? Ah, il est parti porte 4. Ok, il est porte 4. Pour l'instant, on n'a rien d'autre. Nous, on est là, donc peut-être que s'il va porte 3, on est dans la merde. S'il essaie d'aller porte 3, c'est comme un tour défense, finalement. Il avance de porte en porte, là, il va aller porte 3. Là, il va sûrement aller porte 1. Et là, ça va être compliqué. Porte 1, faut faire attention. Il est là, il est là. Oh my god, my god. J'ai hâte de voir le screamer, si jamais je perds. Quelle va être la gueule du screamer? Ok, il a les porte 1. Les gars, il est porte 1. Hein. Il est là. C'est-à-dire qu'il est en face de nous. Là, faut faire quoi, les gars? Je le regarde. Il est reparti où? Porte 8, regardez. Porte 8. Non, mais c'est lui, ça. Porte 8. C'est le serval. What the fuck? Il est parti. Il est parti. Il est retourné porte 1. Il est retourné porte 1. Donc, il va pas tarder à attaquer, là. Porte 1, ok, ok. C'est bientôt, il va peut-être décider d'aller dans ma salle. Il est toujours là. Ok, il est parti. Il est reparti salle 8. Il est salle 8. Ok, ok. J'espère qu'il va pas changer de salle. On a presque passé la deuxième nuit. La deuxième nuit va être compliquée, là. Ok, il est pas là. Il est porte 6. Après, quand il vote plusieurs, c'est de galère, les amis. Hein. Porte 6, il va...
Des sacrées images. Hein. Ok, bientôt, bientôt, bientôt 6h, bientôt 6h. Let's go, night complète. On a fait la nuit 2. On va commencer la nuit 3. On va voir s'il y a plusieurs chats qui vont pop. Là, c'est la galère, les gars. Ok, un chat. J'ai que un chat pour l'instant. Il est là. Est-ce que c'est un seul chat qui va partir en couille? Ah, il va plus vite, il va plus vite. Parce que dans Five Nights at Freddy's, il y en a plusieurs. Il y a Chica qui pop, Foxy qui pop, Freddy qui pop. Et ouais, c'est vrai que ça... Ok, il est porte 4. Il est porte 4. Porte 4, porte 4. Oh, le jeu tourne très bien. Porte 3. Il est porte 3, le frérot. Là, je peux faire espace. Ok, je peux faire espace si jamais ça part en couille. Il va peut-être aller porte 1, mais il n'est pas encore les porte 2. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Porte 2, on est safe. Porte 2, il peut pas venir. Il va peut-être aller porte 5 et revenir porte 3, je pense. Dans la logique, c'est ça. Ah non, il allait directement porte 3. Il va revenir vers là, du coup. Ou peut-être qu'il va aller directement sur la porte 1, mais... S'il va directement sur la porte 1, va falloir enlever l'ordi et regarder derrière, comme ça. Donc, il est parti porte 4. On est presque à la moitié, on est à 3 heures. Et... Ok, il est revenu porte 3. Peut-être qu'il va porte 2 ou porte 5. Là, il a 3 choix. Ou porte 4, il revient porte 4, peut-être. Faut voir sur quelle... Ouais, ok, il est allé porte 1. Porte 1, là, il peut aller directement sur nous. Faut faire attention, va falloir soulever le truc. Attention. Où est-ce qu'il va aller? Il est parti? Il est parti où? Il est reparti porte 7, ok. Porte 7, il est allé porte 8. Let's go, on a bien joué là. Et il a fait toc toc. Oh my god, il a fait toc toc. My god, my god. Je pensais qu'on aurait le screamer, mais ça va. Il est reparti porte 7. On est... Il nous reste une heure. Une heure dans le jeu. Une heure à tenir. Je regarde s'il n'y a pas d'autre serval au cas où, mais normalement il est porte 6. Hein, ouais, porte 6. Il passe toujours porte 6. Là, il va peut-être passer porte 1 vers la fin. Normalement, on est good. Non, il est parti porte 4. Il est parti porte 4. Il fait sa vie, c'est bientôt la fin de la nuit 3. Let's go. 3, 2, 1, 0. C'est la nuit 3. Elle est complétée. On joue bien, putain, qu'est-ce qu'on joue bien. Nuit 4. Let's go, la nuit 4. Il est où? Il est où? Il faut vite le repérer. Il est porte 7. Porte 7, ok, il a basculé. Porte 8. Il peut remonter porte 1, faire attention. En fait, la salle 8, c'est un peu une reproduction. Je croyais que c'était la mienne tout à l'heure. Ok, les portes 1, faire attention. Il peut débarquer. Il va pouvoir peut-être débarquer sur notre porte. On enlève, on regarde. Il est reparti. Il est reparti où? Il est reparti porte 7, ok. Il retourne porte 6. Ok. Il sait où on est. Je pense qu'il sait où on est. Putain, merde. What? What? Mais je suis mort comment? Je suis mort, c'était quoi ce screamer? What? C'était quoi ce screamer? Attends, on a raté là? On a raté quoi? Parce que là, j'ai soulevé peut-être la lampe. Il faut rallumer la lampe? Faut faire quoi en fait quand c'est comme ça? Ok, il est... Ok, il est là. Il peut aller là et là. Ok, il peut aller là ou là. Peut-être porte... Il retournera... Non, je pense pas qu'il retournera porte 7. What? J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Ok, les portes 7. Porte 6. Il peut aller porte 8, porte 4 ou porte 1. Porte 4. Il est parti porte 4. Là, il a le choix entre porte 3 ou porte 6. Porte 6, ok. Il va peut-être revenir porte 1. Ou peut-être revenir porte 4 ou 7. 8 peut-être. La 5, elle sert à rien, j'ai l'impression. Ça sera peut-être pour la dernière nuit. Mais what? C'est quoi ce jeu? C'est quoi ce jeu? Attendez, je vais essayer de comprendre. Mais il peut pas me tuer. C'est quoi ce délire? Je suis là. S'il est pas porte 1, il peut pas me tuer. Le jeu est mal codé. Ok, il est porte 8. Il est porte 1. Il est porte 1. Faire attention, il va toquer. Faut allumer la lampe. Ok, il est reparti. Ok, il est porte 6. Il y a le tableau. Mais what? Je comprends pas. Je comprends pas le délire. Comment je fais pour mourir? Il faut que je clique sur sa tête, c'est ça? Que je clique ici? Ah, peut-être qu'il faut que je clique ici quand le tableau il change. Je sais pas, j'ai pas trop compris. Porte 7, ok, les portes 7. Porte 6. Vous savez, sur Steam, on peut trouver des jeux incroyables et là, on a un sacré jeu. Hein. What the fuck? Un sacré jeu bien buggé. Il est porte 2, porte 4? Il est porte 4. Il est porte 4.
faut regarder et cliquer en fait, je pense, quand il disparaît. Il est porte 3. Porte 3, ok, toujours porte 3. Il... Ou il va porte 2 ou porte 1. Et ça, il faut cliquer sur ça. Comment je fais pour cliquer? Ouais, bon, ok. Je pense que le jeu est totalement buggé. Je pense qu'on va s'arrêter là. Le jeu est un peu impossible. Ça se voit que c'est les Russes qui l'ont codé. Hein. Là, on revient au jeu russe. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao!